fait ça tout le temps. Donc, c'est le cœur qui est très important parce que c'est lui qui s'occupe de réoxygéner le sang. Et dis madame, c'est quoi un cœur? Dis monsieur, à quoi ça sert un cœur? Voici des questions posées mardi matin par les enfants de l'école maternelle du Rombois. Pour y répondre, les membres de l'association Cœur et Santé de Mandelange. Habitués à intervenir auprès d'un public adulte, cette fois c'est envers les plus petits que l'association a tenu à faire preuve de pédagogie et de prévention. Répartis dans différents ateliers, comme l'alimentation, le sport ou encore l'appel d'urgence, l'objectif était donc d'informer les enfants sur le rôle du cœur et sur l'obligation d'en prendre soin. Hé, ne shootez pas si fort avec votre ballon. La balle, elle va trop loin. Moi, je suis fatiguée de lui courir après. Eh ben voilà, tout ce que c'est de toujours rester assis dans un fauteuil. Trop petit pour comprendre? Eh bien, pas du tout. Et bien au contraire. Car c'est à cet âge que l'on peut commencer à les sensibiliser, par exemple, sur l'importance d'une bonne alimentation et sur la pratique sportive. Vous pouvez prendre l'ascenseur, vous montez des escaliers. Voilà, c'est pareil. Ça aussi, c'est du sport. Alors, qu'est-ce que vous allez retenir, là, avant de partir d'ici? Que vous avez un cœur et qu'il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut faire... Courir. Il faut faire du sport. Et il faut manger aussi. Attention à ce qu'on mange. Protège ton cœur pour être en forme. Voici le message qu'ont voulu faire passer les membres de l'association Cœur et Santé. Un message qui n'est pas réservé uniquement aux seniors. Un message de prévention qui commence dès la maternelle. Tu as raison. J'ai d'ailleurs beaucoup trop mangé de gâteau et beaucoup trop bu de soda. J'ai décidé de choisir et de préférer avant tout les fruits au gâteau. Oh, bien sûr, j'en mangerai encore de temps en temps parce que je suis gourmand. Mais